Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, c'est une tranche de Contact Pro Live où nous réfléchissons sur l'actualité qui se déroule en République démocratique du Congo. Le lot Tosa le 24 novembre 2023. Boza et Belé, abonné à Contact Pro Live, Oyo Boza Kotsengangai, Boza Kotunangai, mais Germain, qu'est-ce que tu penses? Na ndenge campagne déjà esa lancée. Vous pouvez nous donner certaines de vos indications, certaines de vos réactions sur ce qui se passe exactement en République démocratique du Congo. Effectivement, pour vous dire que nous ne sommes pas en dehors de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Tozali awa, tozali ko banzake, toza ko pesa bino justement nos réactions. Sans impartial, sans prendre point de vue. Bolandaki et Belé ongana lobaki awa sur Moïse Katumbi. Vous vouliez aussi savoir ce que je pense de Félix Tshisekedi, Fatshi Béton. Nandenge campagne za kokende. Est-ce que je suis de quel côté? Sachez bien que binga awa nazala kaka sur les réflexions. Namakamu nenge za kokende. Na mboka na biso. Donc, je ne réagis qu'à l'actualité. L'actualité aujourd'hui est dominée par lancement ya campagne électorale, ya ba élection au Ekozala le 20 décembre 2023. Alors, makamweza ebele ya koloba. Oto koloba awa, ce n'est pas une parole d'évangile. Ça sera que notre point de vue sur comment est-ce que mboka na biso yoki kolongwa na bosoto oto za na kati lelo. Ba candidat bazako se défilé bazako kende d'ici par-ci par-là bazako ko sala tout pour ba conquérir effectivement magistrature suprême wana. Alors le grand problème se pose, c'est que ici à Contact Pro Live, nous réfléchissons, nous donnons nos points de vue sur ce qui se passe exactement, sur ce que nous pensons exactement na makamunenge zako zala. Alors nous allons réagir à chaud, donc na première partie otoza koloba awa. Nous allons justement donner une illustration de ce que nous pensons. Où est-ce que tozo kende? Batu bazo loba nini? Batu il faut ba retenir nini na makambu oyo ba candidat nyonso bazo kende. Tozo mona donc beaucoup batu ebele to komi na trois pôles pour l'instant. To komi na pôle ya Félix Tshisekedi, to komi na pôle oyo ya nani ya Katumbi et puis toza na pôle mususu oyo. On ne sait pas encore ce qui Martin Fayoul ou na docteur bakozala allié pour que tozala na Paul wana. Mais nous ne pouvons pas compter sur chacun na ba candidat wana nyoso, notamment Félix Tshisekedi, toza komona Katumbi, tozo mona docteur Denis Mukwege, tozo mona Deli Sesanga qu'il ne faut pas négliger, et qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore déterminé, mais il s'est lancé seul na kati ya ba campagne pour conquérir magistrature suprême. Alors, na Paul wana peto ki koloba ke za Paul mususu o de lise sanga za ko linga a se constituer. Il veut aussi à ce que lui, avec son idée à refondation à Congo, a lingi pe l'idée wana eleka et que il puisse justement avoir vos voix. Biso awa, réflexion na biso za la gandeye. Nous réagissons sur quoi? Et lo ko nga na za ko bete la sete awa ezali justement ba discours oyo batwana baza koyela biso. Félix Tshisekedi azana discours na ye, Katumbi azana discours na ye, Deli Sesanga azana discours na ye, o batoto sitoyoki et puis Deli Sesanga plutôt. Donc batoto yebi pour l'instant o to mona ki ba expose ba ide na bango pour no Congo ya o balingi ba diriger eza yango wana. Docteur Abimisaki plan na ye de paix, Deli Sesanga Abimisaki refondation na ye ya Congo, et puis Tshisekedi aza na eloko na ye ya lobby au lieu to bandela zéro to sala to kende na plan ya continuation ya biloko o esese salemaki et que bo renouveler confiance wana pona a continuer musala o ya bandaki. Je ne veux pas parler de toutes ces images là qui défilent batwaza kofingana batwaza ko sala bwe. Non non non. Moi je ne réagis pas sur ce point là. Réflexion na ngai na Contact Pro Live ou réaction à grand format autozozo zala na ngwa
Ezali sur le discours interne ya babiloko o tozoko mona awa. Na ba chance o ngana banzi dans un premier temps, ça sera une émission où na kopesa na nous moi point de vue nanga sur les chances que ces candidats ont pour la conquête de la magistrature suprême. Alors nous comme de Tshisekedi aloba qui continuation ou bien tokozalana katumbi ndenga lobi que non ye ako tonga mboka sika akopesa ile donc aza outillé pour abongisa makambu na mboka na biso et puis tozo mona te délice sanga ya lobaki que non refondation à Congo ça veut dire quoi. Ça peut nous prendre beaucoup de temps, mais on a quand même un premier point de vue sur les 4 jours ou 5 jours de la campagne électorale depuis Bandaki, depuis le 19-2023, en novembre. Alors, token de nanu, na côté à candidat, mais qui sont quand même des poids politiques. Là, je peux dire, par exemple, ma tata appelle ça qui programme na leadership. Mon point de vue sur ça, c'est bien beau. C'est bien beau ya koloba que non leadership ezali malamu tout ça il faut tozangi bato baza vraiment ba leader tout ça nous connaissons son passé nous connaissons Matata Mponyo calibre net en wazalaki na nani na premier ministre il a travaillé avec Kabila il a fait ses preuves azana moi discours moko boya ko piki ko pesa bino ba peuple congolais. Alors ce qui tokei na Delice Sanga lui vient avec le renouveau du Congo, refondation au Congo, et loko o ngana lobakangwa tous les jours. C'est-à-dire que ba institution na biso ezo sala malamu te, qu'est-ce qui se passe et tout. Ba biloko wana Delice Sanga lui parle de la refondation du Congo. Yango wana pe asali yango comme cheval de bataille na ye, a proposé bino ba congolais, bozala boyeba ke nini yango ya lingi a refonder, comment il veut refonder le Congo. Et jusque là azana nu yemoko abandaki deja campagne na kote abandundu kuna azako kende azo sala makamunyoso azo sala kuna azolo bela batu ndenge azolo ba bon soki tokei ndenge na sina bisi bino matata c'est leadership donc c'est sanga c'est la refondation du Congo. Docteur lui a sécurisé à lobby avec son aura, il a parlé d'un plan de paix, azana aura moko international, c'est un intellectuel, il s'adresse, il donne des solutions sur papier bien sûr, application na ngonde tam souse ko causer problème, mais nous ne savons pas exactement parce que toyebite est-ce que ndenge azolo ba wana ndenge pe ko sala. Pour lui, c'est que le peuple congolais l'a désigné, l'a poussé à prendre cette candidature à la présidente de la République, Ponanini, parce que d'abord, Azana aura international et que c'est quelqu'un d'autre qui n'a jamais géré la République et qu'il a une idée, qu'il peut mettre en place pour que Abongi Samboka Oyo, avec l'aura qu'il a, des docteurs, l'expérience, nous avons vu que le monsieur vraiment est attaquant, il a vraiment été na volonté, il a zola qui ça na batu. Mais c'est quand même quelqu'un sur le plan politique, Denis Mukwege n'a jamais été un politicien, ça il faudrait que nous puissions l'accepter, il n'a jamais été un politicien, donc il va apporter une affaire scientifique, à la qui ça, selon discours naé, on a un plan naé sécurité, on a nyonso, et son expérience sur le plan, son aura sur le plan international, et kokiko sali sa Congo. Ça c'est le point de vue sur Mukwege, et donc il va lui rester maintenant de voir si discours à Pessibino, est-ce que vous pensez vraiment que Ekoiko Zala salut pour na Congo, est-ce que na implémentation na Congo et Ekoiko Bongisa Congo, ça c'est une question. Les autres comme Franck Diongo, ce sont les gens qui ont vraiment les discours de l'opposition d'antan. Martin Fayulu, nous les connaissons. En tout cas, na zongela na nunana na Franck Diongo, nous connaissons que ce sont des opposants qui se battent pour les valeurs. Bazako dénoncer babiloko oyo Félix Tshisekedi a salité eza nini yango ekendaki malamu te ba s'éloigner na idéologie ya Étienne Tshisekedi o esalaki ezalaki peuple d'accord d'abord et puis Franck Diongo défend disant que non toyokana kabo ete biso bato ya idéologie ya UDPS ya Étienne Tshisekedi ce que Félix a dit a sali pendant 5 ans, azalaki à côté. Voilà un peu 4 majeurs
candidat au toza kolobela awa 4 ou 5 majeurs na koki kolobela te na ba 7 kikuni ba même ba Joël Bile, ce sont des gens vous entendez que bazana moi idée ya Congo, comment est-ce qu'on peut réarranger les choses. Nous connaissons, j'ai suivi cette Kikuni dans un space, nous avons suivi les autres petits candidats autres, comme on a Keno, ils ne valent pas. Bazana poate penza ya koloba Keno, ba okiko dirige Congo. Mais ceux qui sont là, que nous reconnaissons, c'est Moïse Katumbi, dont lui, il s'est dit, je me suis bâti, j'ai été empêché d'être candidat en 2018. Makambu onga nazana ngopo na Congo, na banzi ke nazala ki gouverneur et ke expérience yao nazala ki gouverneur na koki ko étendre ngo sur toute l'étendue de la République. Et donc il a ce discours là, ngala za kolobate na côté à ma finga ko reprocher o ya salibo o ya salibo été non. Je vois un peu les idées un peu intersectes de ces hommes là. C'est comme ça que j'ai réagi sur ça. Donc, Katumbi prend son expérience, na personnalité naé, na popularité naé au Azanango na Katia Congo, avec comme président football, avec ses œuvres qu'il a fait, les œuvres humanitaires, à Bongisi Boye, à Pesakimbongo na hôpital, à Bongisi école, à Sali Boye. Tout ça, ezakaka na compte naé moko. Et puis, expérience naé étant tout en étant gouverneur. Oyo azako pesa pona ko la kisabino ba peuple congolais que non, il est le candidat mais donc pour lui c'est lui qui doit être le next président de la République. Alors deuxième partie oyo maintenant tozo kende na campagne oyo place oyo bino bokanisa ki ke il fallait que na pesa point de vue na ngai bandeko, vous devez savoir que les discours de campagne sont très très différents na ba discours oyo batu bakubanda kopesa tango bakubanda kosala ba réalisation nini. Quels sont les avantages qu'ont ces candidats sur la réalisation de leur discours? Bazana chance nini oyo ya ko réaliser ba discours na bango po babongisa Congo. Ici l'objectif c'est de le changement qui mouille bien à la tête, tous les mots là, la guerre, l'insécurité, tout ça. C'est ça justement que les Congolais baza kolinga. Alors, moi je vais confronter ba discours à quatre candidats wana sur un point. La connaissance du Congo, le problème du Congo et la solution à apporter. Est-ce que ça sera un homme seul qui viendra changer tout ça, apporter les changements? J'ai dit ceci. Le problème du Congo, la solution du Congo et la connaissance y a problème à Congo. Est-ce que ba candidat wana nyonso quatre les grands là ba yebi Congo? À vous de répondre à cette question. Dans leur discours, vous allez voir que biso to yebi Congo, voici le problème du Congo. Congo oyo eza na problème insécurité, c'est ce que nous connaissons tous. Problème oyo eza problème à corruption, c'est ce que nous connaissons tous. Le problème du Congo, c'est la mégestion du Congo, c'est ce que nous connaissons tous. Biso nyonso to yebi kaka ba miyibi ba kokanwa la justice. La justice ne fonctionne pas bien en République démocratique du Congo. Mututero yuko yebi sabiso que non justice c'est problème bo. Eh la biso que problème à Congo ezali bo biso moko ba congolais to yebi angote. Les Congolais connaissent le problème du Congo bien. Et puis quel est l'avantage biso ni tozo lukani ni tozo lukande changement. Changement c'est-à-dire que ce qui se faisait avant, qui faisait à ce que nous ne puissions pas faire le, nous ne pouvons pas développer le Congo et que to bindu la ngo to longola eloko wana to tie eloko asika oyo et ko silisa ba mo wana nyonso o eza implementer o eza ko kende eza ko sala que batu baza ko za la développer te ba mboka na biso eza ko za la développer te. Alors prenons un peu du côté de celui qui est là aujourd'hui. Félix Tshisekedi akuti mboka ndenge nini? Akutaki mboka ya malamu dans son entièreté, il a bien vanté que non, il y avait une armée, tout ça. Mais par après, nous avions constaté qu'il y a eu beaucoup de cassures dans cette histoire. Nous avions constaté en fait de compte que Félix Tshisekedi a zako tâtonné. Il n'y a eu jamais de solution vraiment
Il a tâtonné, il a fait ce qu'il a fait en construisant les écoles, en lançant les programmes de 100 jours, en lançant les gratuité à enseignement, gratuité à maternité, tout ça. Tous ces discours-là que fait Wana Nyonso Oaza Kotiana discours na pour. Aye bisabino yango po bino bo renouveler confiance na ye a continuer na musala na ye parce que alobaki vous avez le choix ou soit qu'il continue ou soit que batuba bandela zéro soki bolingi fatia bandela zéro bokolinga bokoye bisaye me fatia a opté pour continuation akosala nenge nini c'est ça la question que nous sommes en train de poser. Moi je pense que dans le discours de Félix Tshisekedi il devrait d'abord accepter que non voici ce que je fais. Et là, on a wapinde na lingina koma avec la petite expérience na 5 ans oyo. Et là, on a sala kike nazo komate na ba solution ya nani ya Congo. Est-ce que j'ai résolu le problème de l'insécurité? Est-ce que j'ai résolu le problème de ya droit? Ya droit na Congo. Est-ce que le pouvoir judiciaire travaille fonctionne? Comment? Quelle est la solution que je peux apporter pour que to continue bo pesanga 5 ans mususu oyo na bongi sa place oyo na bongi sa kite ou bien na kweyaki. Qu'est-ce qui a fait que biloko wana ekende malamu te? Comment est-ce que la corruption a pu continuer? Quelles sont les erreurs que moi j'ai commis? Alors le peuple congolais va comprendre. Kokoso ezalaki donc à promettre biso que nanani na deuxième mandat otokopesa ye ekozala malamu. Tole kananani na eloko ya kofingana. Moi je pense que dans le discours de Félix Tshisekedi, il doit ignorer tous ses autres candidats parce que pour l'instant il est seul. Nanwa sa rallier na batu mususu te. Alors, président actuel, je pense que discours naye devrait être beaucoup plus concentré sur les erreurs qu'il a commis. Et que comment est-ce qu'il pense pour corriger ces erreurs là? Et que tout peut faire confiance? Comment yebi déjà ba erreur wana? Oh et si lisa qui sécurité te? Oh et si lisa qui kimoyibite? Oh et si lisa qui babilo comme sous ba institution ezokende malamu te? S'il connaît ces erreurs là, c'est par là qu'il peut dire aux Congolais en disant que non. Ba tunyoso bazala ki awa bota la place nga na uti bota la ndenge na kuta kimboka bota la ba effort nini ango na fourni sa ki me ezifalezo angata alors bo pesa nga deuxième mandat na continue na bongi sababiloko oyo na kukai kosala te. So ki toke kote ya Frank Diongo. Frank Diongo c'est un militant donc moi je pense que Frank Diongo azako lutte beaucoup plus sur les valeurs. C'est comme ça que moi je pense qu'Azana solution T. Frank Diongo Azana solution T. Par contre, lui, il dit que non. Bah, idée à Félix, il y a Étienne Tshisekedi devrait être implémenté et que Félix n'avait pas pu ou bien n'était pas dans la bonne direction pour implémenter idéologie à IDPS, le peuple d'abord, droit de l'homme, babilo kwana nyonso oyo ba valeur oyo IDPS lingaka est implémenté. C'est comme ça que moi je pense que Fernand Lite à Frank Diongo ezali. Alors Delice Sanga, lui, plutôt, c'est autre chose. C'est la refondation au vu au fait de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Togoi, on continue dans Babiloko Oyote. Nous ne pouvons pas continuer dans ce sens-là. C'est ça, Delice Sanga. Il faut, pour régler la solution globale à la République démocratique du Congo, il faut une refondation. Azana Nouye Moko. Il n'est pas encore allié à quelqu'un d'autre. Maintenant, on ne va pas revenir sur Matata parce que bango na Matata na Katumbi bakomi clan moko bakomi donc famille moko bango prospectiste na bango ezali nini ko corriger biloko nyonso o Félix a sala kité bakokoya na discours mususu ya sika o baza koloba ke non Félix a fait ceci, Félix a fait cela, Félix a ceci et nde discours na bango ya campagne wana est-ce que discours wana nde ko pesa bango avantage pour conquérir magistrature suprême. Est-ce que c'est ce discours-là en s'alliant avec Matata Mponyo? Parce que Matata Mponyo a zana kana e. Est-ce que force ya leadership, force ya anti-valeur, na force fougue of na popularité ya Katumbi, est-ce que ceux qui battent ensemble ne kobenga changement? C'est ça les questions. Moi je ne reste que ici pour na réagir, na pesa bino ma réaction, bino moko bo juger. Est-ce que c'est ça qui va résoudre le réel problème de l'insécurité? C'est ça qui va résoudre le problème interne de la République démocratique du Congo? À vous,
la réponse. Mais na décelé lo kwa na tiango na mesa na bino pobota la bino moko qu'est-ce qui ne va pas exactement bandeko réaction ezalaka surtout quand je suis un peu à l'extérieur ezalaka moulaï mingité et je pense que ça c'est n'est qu'une petite partie la moitié de ce que je devrais vous dire. Alors comme nous avons encore la difficulté à causer la émission live à moulaï, je ne pense pas que nakoki ko silisa makambango nyoso tout na réaction moko. Alors je vais vous demander de vous abonner d'abord. Abonnez-vous comme ça. Tout suite moussous semaine prochaine, lundi, na kosa la grand format moussous parce que nous aurons déjà à peu près une affaire à 6 jours à campagne. Nous continuerons à analyser les 4 poules, na 3 poules au Ezako Salema. Peut-être, bah, défection. Peut-être, bah, tout moussous va rejoindre Félix. On ne sait pas. Pour l'instant, bah, tout moussous va candidat. Oh, je parle des candidats qui vont se désister pour certains d'autres candidats. Peut-être Mukwege kokota côté à Katumbi, nous ne savons pas encore. Peut-être Mukwege kozala nanani na Fayulu, on ne sait pas encore. C'est comme cela que je vous dis pour l'instant. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de nos réflexions. Et puis, bino batuboza déjà abonné, bon, partagez l'émission au Bande Konangai. Parce que c'est en partageant cette émission que vous m'encouragez encore à faire beaucoup mieux. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui en espérant que le message passe et que tozo kene na ba analyse ango mouke mouke. Voilà, on se revoit prochainement dans un autre numéro. Et puis, bon week-end, donc bon début de week-end. Aujourd'hui, c'est un vendredi. Au revoir et à la prochaine émission.